Jeudi 15 octobre 2020, bienvenue à la grande édition sur Esaü TV, les titres. Enfin, une rencontre pour donner les bonnes astuces aux professionnels des médias du Bénin dans la couverture de la crise sanitaire. Une initiative de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB. Des voix s'élèvent suite à la décision de l'OFPRA de suspendre le Bénin de l'inscription de la liste des pays d'origine sûre. Joaquin Adjaguesi, chargé de mission du président de la République dans les unités présidentielles, donne son opinion dans cette édition. Plusieurs causes peuvent être à la base des accidents vasculo-cérébraux. Commémorant appelé AVC, les troubles digestifs ne sont pas exclus de cette liste. C'est ce que nous dira le neurologue Gérard Koudjinou dans cette édition. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à Esaü. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000. 600 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'un million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'un million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esaü.bj/esaü2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à Esaü, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence a un nom. Rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil des ministres de ce mercredi 14 octobre 2020 a pris d'importantes décisions au sujet des modalités de gestion et de sécurisation du pâturage en République du Bénin. Les activités de transhumance telles qu'elles se déroulent sont source de conflits permanents entre les éleveurs et les agriculteurs, avec des conséquences souvent dramatiques. Il s'ensuit également des pertes importantes de cultures et de bétail. Aussi s'avère-t-il urgent de réaliser ce modèle d'élevage pour préserver la sécurité des acteurs et de leurs biens, en contenant notamment les mouvements des bêtes dans les départements et communes. C'est pourquoi le Conseil a adopté le présent décret qui institue un comité national de gestion de sécurisation de pâturage chargé de la mise en œuvre du plan national d'orientation et de développement des activités pastorales. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides OFPRA qui suspend l'inscription du Bénin de la liste des pays d'origine sûre continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Plusieurs voix s'élèvent dans le rang des Béninois de la diaspora française pour exposer les dessous de cette décision hâtive et à connotation politique. Ainsi, Esaü TV s'est rapproché de Joaquin Adjaguesi, chargé de mission du président de la République dans les unités présidentielles, de suivi afin de recueillir et pour vous et pour son appréciation de cette décision. Suivez-le, il est au micro de Abdelkader Achirou. Le 29 septembre dernier, le conseil d'administration de l'OFPRA a décidé de retirer le Bénin de la liste des pays d'origine sûre. Au fond, cette décision, déjà depuis l'année dernière, et ça s'annonçait dans la mesure où les défenseurs des migrants avaient demandé à cet office de retirer certains pays, dont le Bénin, de la liste. Mais l'année dernière, le Bénin était maintenu. Alors qu'il y avait eu des événements malheureux de mai 2019. Malgré ça, le Bénin était maintenu. Là, on est surpris que cette année, le Bénin soit retiré. On ne comprend pas.
Quand on fouille un peu plus loin, ils ont tenu compte du respect des principes démocratiques, de l'état de droit, disons globalement, des libertés fondamentales. C'est vrai que en termes de pays dangereux, pays à risque, le respect des principes fondamentaux des droits de l'homme, de liberté de presse, etc., constitue un aspect. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, en dehors de cet aspect qui concerne la sécurité, globalement la sécurité, donc les violences, les violences politiques, interethniques, etc., il y a un autre aspect, il y a deux autres aspects plutôt, dont ils n'ont pas tenu compte. Donc ça, c'est peut-être leur manière d'apprécier. Il y a par exemple la sûreté des routes qui est établie en fonction du taux de mortalité sur les routes par 100 habitants. Il y a aussi les infrastructures médicales, l'accès aux soins de santé de qualité et les risques infectieux que présente le pays. Bon, laissons ça. Prenons le critère dont ils ont tenu compte. De novembre, c'était en novembre 2019 que le Bénin a été mis en examen. Contrairement aux défenseurs des migrants qui ont demandé que le Bénin soit retiré, en novembre, le Bénin était maintenu. Alors, entre novembre 2019 et aujourd'hui, nous n'avons pas connaissance des faits qui sont manifestement en contradiction avec les principes de droits de l'homme. Néanmoins, comme l'a dit le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, nous prenons acte et nous mettons tout en œuvre pour inverser les choses d'ici à l'année prochaine. C'est vrai qu'il l'a dit, le temps nous donnera raison. Et c'est normal parce que par le passé, le temps nous a donné raison. Nous sommes donc sûrs que l'année prochaine, ce sera corrigé. Mais je vais peut-être vous surprendre. La France qui nous retire de cette liste, il faut aussi noter que en 2019, la France ne fait pas partie des 50 pays les plus sûrs du monde. Sur 140 pays qui ont été examinés par l'index de la sécurité et de la sûreté, la France a occupé la 51e place. Mais malgré ça, la France est le deuxième pays en termes de compétitivité touristique. Alors, je ne sais pas si vous percevez ce que je veux dire. Bien que la France ne soit pas parmi les 50 pays les plus sûrs, en termes de compétitivité touristique, elle est le deuxième pays. Ça veut dire que nous avons intérêt à continuer nos travaux, à continuer à faire émerger le Bénin, et les choses vont rentrer dans l'ordre. L'annonce officielle de la candidature de président Talon pour un second mandat sera bientôt faite, d'ici le ministre Alain Orunla, en marge du point hebdomadaire du Conseil des ministres de ce mercredi 14 octobre 2020. Je voudrais me référer à l'interview que le président de la République a donnée à votre confrère de Jeune Afrique, interview au cours de laquelle le président de la République a dit vouloir réserver la primeur de la décision qu'il a prise à son peuple. J'ai espoir et je suis d'ailleurs sûr que cette promesse sera honorée, a fait savoir Alain Orunla en face des professionnels des médias. À en croire le ministre de la Communication et des Postes, la question de la candidature ou non du président de la République pour un second mandat ne doit point se poser. Le président Patrice Talon sera bel et bien candidat en 2021, selon l'apparition du quotidien Fraternité du lundi 12 octobre 2020. Le locataire de la Marina a déjà levé le coin de voile au niveau des deux partis qui soutiennent son programme de développement du pays.
L'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB a organisé ce 15 octobre un atelier d'échange des professionnels des médias sur les crises sanitaires sous le thème « L'exercice des métiers de la presse en période de COVID-19 ». Financée par la délégation de l'Union européenne au Bénin, cette rencontre a permis aux participants d'examiner et de trouver les bonnes stratégies pour apporter la bonne information sans contracter le mal du moment. Deux communications ont marqué cette journée d'échange. Suivez le compte rendu de la rédaction. Cette distribution de masques et de gel hydroalcoolique aux professionnels des médias a été le dernier acte de l'atelier d'échange des professionnels des médias sur les crises sanitaires organisé par l'UPMB ce 15 octobre à la Maison des médias Thomas Meyansan de Cotonou. Sous le thème « L'exercice des métiers de la presse en période de COVID-19 », cet atelier est le fruit du partenariat entre l'Union européenne et l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB. L'Union européenne a toujours apporté son soutien aux médias en général et particulièrement en cette période de pandémie de COVID-19. Ainsi, depuis le mois d'août dernier, a démarré un projet dénommé COVID-19 Response in Africa Together for Reliable Information, financé par l'Union européenne et porté par des partenaires internationaux tels que Free Press Unlimited, International Media Support, Reporters sans frontières, l'UNESCO et la Fondation Hirondelle. L'objectif du projet est de faciliter la fourniture d'informations fiables et critiques sur le coronavirus qui n'atteignent actuellement pas les populations à risque en Afrique subsaharienne. Pour y parvenir, le projet fournit un soutien aux acteurs des médias qui se retrouvent avec peu de revenus en raison de la pandémie. Les actions prévues permettront à ces acteurs des médias de s'adapter et de survivre à la crise causée par la pandémie, tout en fournissant à leur public les informations pertinentes et vitales sur la pandémie et comment s'en protéger, afin d'atténuer les risques et limiter le nombre de victimes. L'action sera mise en œuvre dans toute l'Afrique subsaharienne. Au Bénin, plus précisément, le projet sera mis en œuvre par la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, FERCAP Bénin, un réseau de 39 radios communautaires diffusant dans plus de 20 langues locales. Il consistera en la production et la diffusion de programmes courts et de tables rondes liés à la crise du coronavirus. L'Union des professionnels des médias du Bénin apprécie l'œuvre et souhaite qu'elle se répète. Et des échanges aujourd'hui, il y a différents aspects qui sont sortis qui peuvent faire objet encore de pareilles occasions d'échanges entre nous. C'était important pour nous au niveau de l'Union, en dehors des différentes actions que nous avons organisées jusque-là, dans le cadre de la pandémie, de pouvoir nous retrouver et d'échanger. Parce que c'est la première fois que nous retrouvons comme ça pour échanger autour de COVID-19 et l'exercice de notre métier au quotidien. On a eu à sensibiliser, on a eu à faire des dons, de masques, de dispositifs de lavage de mains dans les rédactions, sensibiliser sur les fausses nouvelles, les fake news, éviter que les acteurs des médias soient des acteurs de relais de ces fausses informations-là, et qu'en période de pandémie, éviter l'infodémie. Voilà. Les participants sont sortis aguerris de cet atelier pour mieux informer les populations au sujet de la COVID-19 et les comportements. En santé à présent, les troubles neurologiques sont très variables et dépendent de la partie du corps qui a été touchée. Des troubles digestifs parfois sont à la base de certains troubles neurologiques. Écoutons le docteur Gérard Goutinou pour plus de précisions. Il est au micro de Jacques Maugnon d'Almenda. Un trouble neurologique est variable. Quand on dit trouble neurologique, c'est selon vraiment l'entité qui a été touchée au niveau du système nerveux central ou périphérique. On ne peut pas dire ça c'est un trouble neurologique, sans vraiment examiner, voir le patient. Parce que parfois, il y a d'autres manifestations qui peuvent se manifester, qui peuvent apparaître au niveau digestif, mais qui peuvent être d'origine encéphalique. Parce qu'on a des crises qu'on appelle
des crises. On a découvert même ici, il y a eu des études qui ont montré qu'on a aussi des épilepsies abdominales. Oui, des gens qui ont fait des crises, mais qui, dont l'origine est au niveau du cerveau. Et ce n'est que sous des antiépileptiques que ces crises se sont amendées. Les gastro-entérologues ont géré pendant longtemps, mais les crises ont continué. On pensait que bon, c'était un problème de ventre, mais c'est déjà dit, c'est dirigé. Même le ventre est dirigé, le tube digestif est dirigé par le système nerveux central. Et il y a des zones du système nerveux central qui peuvent entraîner, qui peuvent, quand ils subissent des lésions, peuvent entraîner des crises donc au niveau du tube digestif. Quand le vaisseau est touché, le vaisseau qui est touché a l'habitude d'irriguer un certain nombre d'espaces au niveau donc un certain nombre de territoires. C'est-à-dire que le vaisseau vascularise un territoire donné du cerveau. Si ce vaisseau est bouché ou ce vaisseau est rompu, la rupture ou l'embolie de ce vaisseau, le fait que ce vaisseau soit bouché, peut entraîner, quand vous parlez en langage terre à terre, le vaisseau est bouché, ça. Toute la zone que ce vaisseau vascularise est infarcie, c'est-à-dire se nécrose. Et si cette partie est nécrosée, ça veut dire que la fonction que cette partie du cerveau gère au niveau du corps, cette fonction est touchée. Donc, si cette fonction... Si ce vaisseau gère un territoire donné, le territoire est touché, donc ce territoire gère une partie du corps. La partie du corps que ce territoire gère se nécrose, donc la fonction là est perdue. Comme quoi il est important d'avoir une bonne hygiène alimentaire. En passeport, Esaü Football Club entame le dimanche prochain les préparatifs de la saison 2020-2021, notamment sa deuxième participation consécutive à la Coupe de la Confédération Total CAF. En attendant ce démarrage, le bilan de la première apparition sur l'échiquier continental de Esaü continue de susciter des controverses au sujet des primes reçues de la CAF. Le directeur sportif de Esaü Football Club, Quentin Didavi, rétablit la vérité au sujet des supposés 166 millions de francs CFA que le club aurait encaissé. Il est au micro de Sétoné Larios à Diagbeno. Un journal avait titré que Esaü a reçu 166 millions. Nous avons pris 80 millions. On savait que la seconde tranche allait venir. Et pour cette raison, nous avons priorisé les dettes, les agences de voyage. Les gens chez qui nous sommes allés acheter de l'argent, on a fait ça pendant des mois. Le fait que Esaü ait participé à cette compétition a pénalisé l'administration. Mais tenez-vous tranquille. Pour les productions de matchs, la CAF nous a pénalisé 20 millions par match joué à Porto-Novo. 20 fois 3, ça fait combien? 60 millions. On nous a défalqué pour les 3 matchs réalisés à Porto-Novo, où la CAF même envoyait des gens de l'extérieur. Ils nous ont facturé 60 millions pour ces 3 matchs. De 80 millions, il restait combien? 20 millions. On a eu des pénalités. Vu les petites erreurs qu'il y a eu, les coordonnateurs, les commissaires nous ont pénalisés. Tenez-vous tranquille. Des 20 millions qui restent, nous avons eu pénalité de près de 17 millions. 60 millions plus 17 millions, ça fait combien? Ça fait 77 millions. Il ne restait que 7 100 $ que la CAF doit nous transférer. Même pas encore arrivé jusqu'à aujourd'hui. Les gens au Bénin crié, Esaü a fait ci, Esaü a fait ça. Et Didavi roule en bayol et à Deschien, il construit des maisons. Donc c'est ça là qui a fait que nous, on est ce qu'on est. Aujourd'hui, ça nous a aidé 7. À nous faire connaître. Mais je n'ai pas pris le moindre copec dans cet argent. Vous pouvez demander au fondé qui a géré.
C'est le moment de vous le dire parce que les gens racontent leur vie, ils ne maîtrisent rien. Partout, tu passes en ville, on te dit, voilà, au lieu d'être dans ce nous village, il y a quoi pour tout le bédoué. C'est dommage. Et pour finir avec cette édition en page inter, une compilation de l'actualité au Mali, en Algérie et dans les pays de la GFIN, une signature de Anifat Boukari. 3 jours de deuil national ont été décrétés à compter de ce jeudi 15 octobre suite à l'attaque d'un poste des forces de sécurité dans le centre du pays ayant entraîné des victimes civiles et militaires. Au Mali, les attaques terroristes se poursuivent après la libération de prisonniers djihadistes ou présumés djihadistes. Les familles de victimes témoignent. Il y a un an, l'armée malienne subissait l'une des attaques les plus meurtrières de son histoire. Les morts se comptent par centaines depuis plusieurs années et les familles s'inquiètent. Que ce soit pour la libération d'otages ou des négociations plus poussées avec les terroristes, la question du dialogue est sur toutes les lèvres pour retour effectif de la paix. Connue sous le nom de Madame Maya, cette femme d'affaires se faisait passer pour la fille cachée de l'ancien président Abdel Bouteflika. Un tribunal d'Alger l'a condamnée à 12 ans de prison ferme, une amende et la saisie de ses biens pour blanchiment d'argent, trafic d'influence, dilapidation de deniers publics et transfert illicite de devises vers l'étranger. Madame Maya, de son vrai nom, Zulika Nachinach, a été une femme très influente en Algérie pendant de longues années. Une influence due à une rumeur selon laquelle elle serait la fille d'Abdel Bouteflika. Les médias locaux lui attribuent une très grosse fortune, l'équivalent de 800 000 euros en dinars ainsi que 270 000 euros, 30 000 dollars et 17 kilos de bijoux en or sont alors saisis. Sa condamnation vient rallonger la longue liste des personnalités emprisonnées pour corruption depuis le départ de l'ancien président il y a un an et demi. Les ministres des Finances des pays du G20 ont décidé de prolonger de 6 mois jusqu'en juin le moratoire sur le service de la dette des pays les plus pauvres. Il a déjà permis à 46 pays sur les 73 éligibles de suspendre un montant global de remboursement estimé à 5 milliards de dollars. Le moratoire était attendu, même si pour le FMI et la Banque mondiale, ainsi que nombre d'ONG de lutte contre la pauvreté, ce geste est encore insuffisant au regard des besoins des pays pauvres. La prolongation du moratoire était attendue, mais beaucoup espéraient un geste plus fort de la part des 20 économies les plus riches de la planète. Des ONG comme One ou Oxfam réclamaient 1 voire 2 ans de délai de grâce. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous rester fidèles. À demain pour une autre session de l'information.